Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le dernier message de 2022. Nous sommes vendredi 30 décembre 2022 et c'est le dernier message pour moi de cette année avec vous. Je voudrais vous remercier d'être sur ma chaîne YouTube. Je voudrais remercier tous les abonnés. Vous remercier pour votre écoute, pour votre gentillesse, pour tous les messages que vous m'envoyez, soit sur les capsules, par mail ou sur Messenger, hein, pour ceux qui sont dans le groupe Plume d'Ange sur Facebook. Et je dois dire que nous sommes 400 maintenant dans ce groupe et c'est un... Voilà, c'est magnifique. Et puis voilà, vous remercier encore d'avoir passé cette année avec moi. Et puis, eh bien, j'espère que voilà, vous serez au rendez-vous en 2023. Alors avant de commencer, j'ai le choix, n'est-ce pas, de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Et le plus fort est celui que je nourris le plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé relation. Eh bien, avec cette carte, n'oubliez pas que vous avez le droit de choisir qui vous entoure afin que, eh bien, vos relations vous apportent du positif et des bonnes ondes. Lorsque nous avons dans nos relations des personnes négatives, lourdes, eh bien, en tous les cas, je les élimine. Donc, je vous conseille de faire la même chose, à moins que ça soit vraiment des personnes de votre famille et que, eh bien, il vous faut vous devez leur apporter un soutien, mais à un certain moment, si le soutien ne vient pas, il faut faire un lâcher prise et puis voilà, il faut abandonner quoi. Vous pouvez facilement, n'est-ce pas, tout à chacun, faire la différence entre une relation qui vous apporte eh bien, des choses positives, de la joie, de la confiance, de la douceur, de l'écoute, de la compréhension. Et une relation plutôt négative avec des énergies lourdes, une baisse de morale, des doutes constants envers vous-même et qui vous tire vers le bas. Et que ces relations soient, eh bien, amicales, amoureuses, elles peuvent être aussi familiales ou professionnelles. Vous pouvez choisir celles qui vous soutiennent et qui... Et on vous demande d'écarter celles qui vous rabaissent. Vous avez le droit et vous avez le pouvoir eh bien, de décider ce qui est le meilleur pour vous et de choisir qui vous entoure. C'est un droit que vous avez. Donc, que ce soit familiale, professionnelle, amicale, amoureuse, ben voilà, choisissez vos amis et puis ne vous laissez pas envahir par des personnes toxiques. Petit rituel, à chaque fois que vous avez l'opportunité de faire le point en vous, c'est-à-dire de remettre à leur juste place certaines personnes pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres. C'est l'occasion de faire le point, de remettre à leur juste place certaines personnes. Comme je vous le disais, n'est-ce pas? Ne vous laissez pas envahir
Prenez le temps d'analyser pourquoi certaines relations vous nuisent. Il est intéressant. Avez-vous une résonance? Est-ce que c'est un miroir de vous? Bon, ben, n'oubliez pas que ce n'est pas égoïste, n'est-ce pas? Et si vous faites ça, vous serez beaucoup plus épanoui et vous serez plus disponible pour vos amis qui vous sont chers et source d'énergie positive pour votre entourage. Donc si vous laissez une personne sur le côté, ce n'est pas égoïste. Ne le pensez pas comme ça. Vous avez le droit de choisir. Très beau message pour terminer cette année. Et puis, dernier message de l'oracle de l'évolution. En allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte. Une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle. Suis-la. Elle saura te guider. Eh bien voilà, nous terminons l'année ensemble, encore une fois. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous souhaite une très, très, très belle année 2023. Que tous vos vœux se réalisent. Et vous avez la possibilité de les réaliser si vous le désirez. J'ai une pensée à toutes ces personnes qui sont dans des maisons de repos, qui sont seules. J'ai une pensée aux malades, j'ai une pensée à ceux qui n'ont pas les sans-abri. J'ai une pensée aussi à tous ceux qui sont dans les hôpitaux et qui vont fêter le jour de l'an à l'hôpital sans leur famille. Et j'ai vraiment une grosse, grosse pensée pour toutes ces personnes âgées qui se retrouvent seules. Voilà. Alors, je vais vous dire qu'on se retrouve l'année prochaine. Mais je vais prendre quelques jours de congé, si vous le permettez, parce que j'en ai besoin. Et puis, encore une fois, bonne année et une très, très, très bonne santé à toutes et tous. Je vous aime, je vous embrasse, prenez soin de vous. À tout bientôt.